Salut tout le monde, je suis Mick Arabe et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tiraway Unfaltered. Dans le dernier épisode, nous avions réussi à monter jusqu'en haut de la montagne enneigée et réussi à nous faire propulser jusqu'au trou où moi je suis. Sauf que la voix off féminine a trouvé un moyen, un mauvais moyen pour moi, de prolonger l'histoire en m'envoyant une petite créature que je combats tout au long de l'histoire. Donc en m'envoyant dans cet endroit, j'ai trouvé un nouvel ami qui n'est pas là. Ah oui, qui a été capturé, je m'en souviens. Et nous avons aussi aidé des écureuils à faire une petite guerre. Donc là, nous sommes à la recherche de notre ami que j'ai nommé Akamaru. Pour ceux qui connaissent ce nom, c'est le nom du chien de Kiba dans Naruto. Ton petit copain est à présent bien loin d'ici. Ah, c'est elle là. Mais tu te rapproches de plus en plus de moi. Ouais, c'est à cause de toi. Attends. Je réussissais enfin à monter en haut de la montagne et à propulser à toi dans jusqu'à moi. Et au final, l'autre elle a décidé non. On va faire autrement. Non mais attends. Les dieux marins attendent nos offrandes. Après ça, ils apaiseront les tempêtes et renverront les monstres dans les abysses. Certains disent aussi que la houle peut être apaisée pendant un moment par un vent changeant. Mince. Tu vois ces puissantes vagues? Ce sont les points des dieux marins en colère qui se dressent. Et les plus petites vagues, ce sont leurs sourcils qui s'agitent d'impatience. Pardon, j'ai eu du mal là. Alors, il y a un truc ici. Ah, il y a un cadeau. On a loupé pas mal, hein, mais bon. Alors. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Les rêves là. Ah, je peux pas remonter. Bon, qu'est-ce que je dois faire là? Je suis Moïse.
c'est moi maintenant. Eh ouais. Trembler devant mon pouvoir. Je te vois beaucoup mieux maintenant. À toi, voilà ton ticket d'entrée à Port-Soc. Sert-en pour traverser la tempête. Si la mer n'a pas réussi à te retenir, pourquoi le ciel y arrive? Mais c'est ce que t'as fait l'autre, dans le dernier épisode. Elle est marrante, elle. Merci. Oh, un trampoline. Alors, ces piles de papier sont spéciales. Tu peux utiliser le vent changeant sur elles pour créer un avion en papier. Utilise le vent changeant maintenant. Ramasse l'avion, utilise le vent changeant pour décoller. Une fois en l'air, dirige-toi avec. D'accord. Et serre-toi du vent changeant pour accélérer. Comment je fais pour atterrir? À distance de tout ce qui est humide au pied. D'accord. Ouais. Je savais pas comment faire pour atterrir. Quelque chose de terrible se prépare. Je le sens au profond de mon cartilage. Les dieux anciens s'éveillent au fond de la mer. Nos offrandes créatives aideront à les endormir. Je sais pas si vous l'avez déjà dit, mais dites-moi dans les commentaires comment vous le trouvez ce jeu. Je le trouve bien, moi. Tu cherches la taverne? Tu vois cette statue? Suis la rampe qui se trouve derrière et tu trouveras la taverne. Okay. Pour descendre, l'avion en papier est le moyen le plus rapide. Enfin, si tu as le courage. Ah, dis-moi comment atterrir. Ce sera bien. C'était un sacré vol en avion en papier. Je tourne un documentaire sur les miracles du... Port-Soc. Ce serait la scène parfaite. Si tu peux voler à nouveau, j'aurai à coup sur des images... magnifiques. Reviens quand tu auras terminé. Je vois plus rien.
mais je rentrais par là. D'accord, j'avais pas vu. Tu as vraiment le talent d'une star. Et tu fais toi-même tes cascades. Je projetterai les images lors de la prochaine séance de la taverne. Cette offrande cinématographique va plaire aux dieux marins. Voici ton salaire pour cette belle performance. Merci. Ah d'accord, je fais carré pour... pour quitter. Okay. Oups. J'ai fait ça à travers... Ah, je vais regarder. Oh, tu es la messagère, n'est-ce pas? Il paraît que tu as un excellent appareil photo. Tu veux bien m'aider à prendre une jolie photo pour impressionner la boue? C'est vrai? Super! Commence par me faire un super look. Il faut en mettre plein la vue à la boue. Alors, dans les yeux... Voilà! Super! Maintenant, lance-moi sur ce podium rouge. La lumière y est meilleure. Cette rampe est l'endroit idéal pour prendre la photo. Je veux que ce soit impressionnant. Alors choisis bien ton premier plan. Mais non, pas moi. Merde, attends. Spectaculaire! Oh, j'espère que la boue a vu ça. Merci. Ah mais d'accord, je peux... Ça lui allait pas et en plus c'était pas ce bon angle. J'avais pas que ça à faire. Non mais... Alors, on va aller là-bas aussi. Photo de la ville, si c'est pas celle-là, bah, je peux pas faire la photo d'ailleurs. Quoi de mieux pour apaiser les dieux marins que de recouvrir notre tête en signe de respect? Mais je dois créer un chapeau vraiment unique qui soit à la hauteur. Dis-moi, quelle est la tendance dans les contrées lointaines? Ok, on va faire un chapeau de paille. Ouais, c'est plutôt un chapeau de mexicain que je viens de faire. Non. On va faire comme ça, c'est bon. Je n'ai jamais vu ça. Quand les têtes seront couvertes de cette façon, les dieux sauront qu'ils sont vénérés. Je sais pas. Pas sûr, mais bon. Essaye, hein. On va voir, hein. Thank you.
Qu'est-ce qu'il y a par là? Psst, par ici. Oh, je t'ai prise pour quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Allez, on visite un peu. Ah, c'est moi. La photo que j'ai prise et ça, voilà, c'est dit, je vous avais dit dans le dernier épisode, j'ai fait ça. J'ai fait une petite guerre avec les écureuils contre les petites créatures. Ça, c'est le badge que la reine, je sais pas quoi, la chef m'a demandé de faire. Ça, c'est un nuage, enfin, c'est censé être un nuage que j'avais fait. Je crois que c'est un peu plus tard, ou plutôt, je sais plus. Ça, c'est une étoile. Alors, après, je sais plus c'est qui m'a demandé de la faire. Et voilà mon ami Akamaru, c'est moi qui lui ai donné son nom. Bon, je l'ai pas créé, bien sûr, hein. J'ai pris le nom du chien de Kiba dans Naruto. Mais voilà. Et là. Je vois pas ce que c'est. Je vois genre comme une encre, mais bon. Là, c'est bon, j'ai fait le tour. Bienvenue au Portland. Non, au port dans le vent. Doras Ehring. La mode est aux plumes cette saison. Mais la colère des dieux marins a fait fuir tous les oiseaux. Tu n'as pas quelques plumes élégantes sur toi par hasard? Plumes? Oh, quelle plume magnifique! Elle doit sûrement provenir d'un oiseau de mer incroyablement rare. Merci mille fois. C'est fait, donc là j'ai fait le tour. Et par là. La courageuse et intrépide messagère, peux-tu m'aider? Mon cousin Sir Godulf, un grand explorateur, m'envoyait tout le temps des cartes postales de ses voyages. Mais je n'ai pas de nouvelles depuis des mois. Je suis morte d'inquiétude. Et s'il s'était fait manger par un monstre marin? Et s'il était tombé dans l'eau et s'était noyé? J'ai vu que tu étais venu en avion en papier. Peux-tu partir à sa recherche pour moi? D'après sa dernière carte postale, il explorait une île du large. Ok, bon, on va voir.
Carabe est la créature la plus sacrée de tout l'océan. J'aimerais en avoir un en photo pour le vénérer. Pourrais-tu photographier l'un des crabes sur le mur de l'autre côté de la crique? Je n'ose pas m'approcher. On va essayer. Le bruit qu'elle a fait. C'est mignon, c'est le bruit. Je sais pas vous. Bon, j'avais laissé mon papier d'avion là-bas. Voilà, je le vois. Par ici pour monter. Non, c'est pas ça. Ah, par contre là le niveau de caméra c'est pas bien. C'est bon. Non. C'est pas ah, c'est bon. OK. Pas facile hein. Je devais trouver son montre ou je sais pas quoi, mais le truc c'est que c'est pas facile à trouver. C'est là.
comme on se retrouve. Désolé que ces vilains Scraps aient enlevé ton jeune ami Akamaru. Je me suis faufilé sur un de leurs skiffs. Peux-tu me porter jusqu'au café, Quick? Je dois y retrouver un ami. Ah, tu peux me poser si besoin, mais ne perds pas ton timbre. Sinon, il faudra tout recommencer depuis le début. D'après mon ami, le café Quick se trouve dans la taverne de la crique du chiffon, dans cette direction. Ok. Non! Ah, mais c'est dingue ça! Non, attends, je recommence ici? Ah, c'est du grand n'importe quoi par contre. Pas normal. Oh non, je suis coincé dedans. Comment ça se fait? Comment j'ai fait pour rentrer dans ce truc? Ouais, c'est bien. Ouais, je peux plus sortir. Oh bah, je suis obligé de recommencer là. Voilà, je suis revenu. Bon, l'avion, il n'y a plus ses couleurs, mais c'est pas grave, ça. S'en fout. On reprend là. Je sais, allez, on y va. Beau travail! Tu peux explorer le port à loisir. Je suis là, quelque part. À distance de tout ce qui est humide ou mouillé. Ouais, après on s'en fout, hein. Il a calé lui-même, c'est bon. Il a bien été à la plage tranquille, donc maintenant c'est bon. Hein. J'ai pas envie de tout recommencer. Déjà que le personnage est bien assez lent. Donc nos bouches sont un formidable don des dieux amarins. Et cette offrande leur montre notre gratitude. Mais je n'arrive pas à la fabriquer. Tu ne saurais pas comment fabriquer une bouche par hasard? Encore, j'en ai déjà fait une bouche. Ah oui, ça c'est une bouche qui peut embellir n'importe quel visage. Ce sera ma plus belle œuvre.
J'ai fait de mon mieux. Moi, je préfère celle-là, hein, parce que franchement, la mienne, elle est pas. Ouais. Je dirais du maquillage mal fait, tu sais. Où est ton tatouage? Personne n'entre sans le symbole du plus grand des dieux d'un Kursag. D'accord. Par ici, je vais te dessiner un tatouage dont Kursag lui-même sera fier, serait fier. Suis cette rampe et tu trouveras mon salon de tatouage. Ok, j'arrive. Tu t'es déjà trompé, c'est bon. Bon. Je suppose que c'est moi qui devra dessiner le tatouage. Les ondins des environs commencent à se lasser de mes tatouages. J'ai besoin de nouveaux modèles. Ça m'aiderait beaucoup si tu pouvais prendre en photo un objet coloré ou un motif qui attire ton regard. On va prendre l'éclair, tiens. Voilà qui est extrêmement original. Je vais pouvoir créer des tatouages complètement inédits. Tu veux un tatouage Kursog, hein? Ah, tu dois créer le cœur toi-même. Pour montrer que le tien est dévoué. N'importe quoi, on va voir ce que ça donne. On va mettre là, tiens. Voilà. Ce cœur déborde d'adoration. Tu pourrais entrer dans la taverne sans problème maintenant. Ok. J'aurais pu même J'aurais pu faire juste un point blanc. Ça aurait suffi largement. Tu as du cœur, étrangère. Tu peux entrer. Enfin, dès que nous aurons pris ta photo pour la carte de membre.
Ah putain, fallait vraiment que je prenne une pause. Ok, merci. Putain, tant que ça a pris. Bon, de toute façon, c'est ici que je vous laisse. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous, ciao, ciao.